C'est plutôt bien pensé, ma foi. Ces compliments sont un honneur. Oh, ce ton sarcastique. Il me manquait. Vraiment? À peu près autant qu'un couteau dans la culotte. Très bien. Inspecte les bassins de droite, je m'occupe de ceux de gauche. Bugle en cas de trouvaille. Alors, hop, hop, hop. Rien d'intéressant ici. Quelque chose flotte en surface. On dirait de l'huile. Attends. Si c'est de l'huile, à l'aide de vos senseurs. Attends, si je lance un coup de feu, ça se trouve, ça va cramer. Non. Ok. Ça n'a rien fait. Ah merde, il y a un truc par terre. Lol. Attends. Un couvercle en argent, adapté au cylindre trouvé dans l'égout. Extra. Par ici. Un fragment de la bombe. Appel, purge le bassin numéro 4 et apporte le registre et que ça saute. Alors 15 MPPS et 0,77. D'accord, ouais, t'as plus que moi, quoi. T'as 15 mégas et 0,77. On est à peu près pareil en upload. On est à peu près pareil. Au fait, ton sous-fifre là, Appen, il a pu t'entendre parler de la chambre forte. Il a libre accès au bassin. Appen a bien des défauts. Pompeux, prétentieux, pénible au-delà du raisonnable. Plus demain, normal, j'ai 40. D'accord. Ah, c'est bien ça. Mais sa loyauté est irréprochable. Quelle garantie a-t-il? Moi j'ai toujours la DSL, moi. Je suis pas prêt d'avoir la fibre. Rien de leur sbire. Philippa et Lart avaient elles aussi la confiance. Exact. Mais elle, je ne l'avais pas sortie d'une geôle de Kovir la veille de son exécution. Voyons ce qu'il y a au fond. Non, je peux pas. Je suis pas assez loin en fait. Enfin, je suis pas assez près en fait. J'ai regardé sur internet. Et en fait, pour avoir la VDSL2, en fait, il faut que je sois à 700 mètres. Je sais pas comment ils appellent ça. C'est un objet, enfin, pour pouvoir avoir la VDSL. Et en fait, je suis à 1000 mètres au lieu de 700 mètres. Sinon, j'aurais la VDSL. Tant pis pour moi. C'est impossible. Qui est Henkel? Qui est ce Margrave Henkel? Qui était-ce? Serait plus juste. Le vieux sagouin bouffe les pissenlits par la racine depuis l'hiver dernier. Il n'a pas pu être ici le jour du vol. Il est mort? Je l'ignorais. Rien d'étonnant à cela. L'honorable Margrave a cassé sa pipe au bordel, paré de lingerie en cuir. Sa famille a misé sur des funérailles discrètes. Mais j'ai mes sources. Donc. C'est bien lui que j'ai vu ce jour-là, monsieur Revel. Aucun doute. Tu lui as parlé? Tu l'as examiné de près? Non, il est juste passé devant moi à son arrivée. Donc ce n'était pas Henkel, mais un imposteur. Réfléchis pour une fois. On t'a privé de tes burnes, pas de ta cervelle. Quant à toi, Gérald, penche-toi sur la question. Réfléchis pour une fois, on t'a privé de tes burnes. Burne, pas de ta cervelle. Quant à toi, Gérald, penche-toi sur... Très bien. Par où commencer? Par chez Henkel, un manoir délabré au sud de la Grand-Place. Peut-être y trouveras-tu quelqu'un d'indice concernant notre malfaiteur.
Allez, au travail. Je vais sauvegarder un peu, hop là, tac, tac, voilà. Ressemble à celui de l'égout. Alors, je peux stream, mais dès que allume Steam plus CSGO, c'est la fin de la connexion. Ouais. Bah moi, c'est pour ça que je fais pas trop de jeux en multi, en fait. Les seuls jeux que je fais en multi, c'est un peu du Battlefield. Et j'en fais pas trop parce que je suis obligé de réduire ma connexion, sinon voilà quoi, la connexion est beaucoup, enfin le live est beaucoup moins beau quoi. Ah, il y a des pieds là. Et donc c'est pour ça que je fais le plus souvent des jeux solo quoi. Corsica, salut à toi. Alors attends, faut que j'aille où ça? C'est quoi cette porte là? Faut que je la tape? Peut-être, attends, la taper. C'est une porte là? Pourquoi elle veut pas s'ouvrir? T'es obligé d'utiliser peut-être un sort. Attends, je vais utiliser un sort. C'est ce sort. Non, il veut pas. Peut-être par là. Ah ouais, peut-être plus par là. Bah non, c'est bizarre. Il veut pas fouiller la maison. Attends. Sur Xbox One, j'embarque. Et bientôt, j'étais en multi avec nous, le bordel. Ouais. Bien sûr. Nightwear, on va bientôt. Quand tout le monde. Enfin, quand tous mes poteaux streamers et puis des poteaux que je connais depuis un an, normalement quand ils vont avoir la console et tout, on va faire des petites parties en live, des petits streams sur GTA. Ça va être plutôt sympa. Et même des gens qui regardent mes streams, s'ils sont cool, ils vont pouvoir nous rejoindre quoi. Alors attends, c'est ça qu'il faut que je prenne. Voilà, ça que les gens. Merci Redneck Marron, merci à toi, merci pour ton abonnement. Alors attends, ça je sais faire. Voilà, ça j'ai pris, ok.
Oui, il veut... Ah, il y a un truc là, attends, j'ai pas vu. Je ne m'attendais pas à cet éloge. Quel charmant bruit. Ça venait de la pièce d'à côté. Le son du follow a réveillé tout mon village paumé. Alors, qu'est-ce qui est pièce secrète. C'est probablement ici que Jaski et ses complices ont déjà fait leur plan. Et l'huile de Wyvern. Salut mon petit Ben, comment tu vas? La forme? Ciri, Meng me suit. Il s'est emparé du trésor. Il tire Jaski. Tu dois fuir. Départ. C'est mauvais ça. Pourquoi il a une épée? Parce que Ben est modérateur sur ma chaîne, c'est pour ça. Voilà. Benji Prod est une personne que je connais depuis un an, parce qu'en fait à l'origine je viens d'une autre plateforme de stream. À l'origine je suis un streamer qui vient de Gamer Connection, et en fait Ben, on se connaît depuis un an, et puis il m'a suivi depuis un an, mes streams, tout ça, et puis bah voilà quoi. Donc et puis des fois ça arrive qu'ils viennent dans mes streams, on joue ensemble, et puis voilà. Donc c'est mon modérateur. Des résidus d'une substance baignant dans l'huile de Wyvern, ce serait du potassium. La bombe a été faite ici, on dirait. Oh, faut que j'aille où là? Par où faut que j'aille? Faut que je descende peut-être. Ah. En bas. Extra. Bonjour les gens, vous allez bien? Je ne m'attendais pas à te voir ici, encore moins avec Triss. Je me suis dit qu'une experte en magie pouvait m'être utile. Les runes. Et au cas où, Redneck Marin, au cas où, si tu veux regarder, au cas où, en dessous de ma chaîne, j'ai mon Twitter, tout ça, au cas où, si tu veux savoir ce que je vais streamer le soir ou le week-end. Et au cas où, j'ai ma chaîne YouTube aussi. J'ai une chaîne YouTube, et en fait, ça fait un an, pareil, que j'ai commencé à streamer il y a un an, et il y a un an que j'ai commencé à faire ma chaîne YouTube, en fait. Donc au cas où, si tu veux voir des jeux que tu connais pas sur Xbox One, PS4 et Wii U. Alors, ce qui me mène au sujet suivant. As-tu trouvé qui m'a barbé mon putain d'or? Une minute, que fais-tu ici? Tous semblent désigner Mange. C'était inutile de déranger Triss ou d'examiner la bombe. Parce que je sais déjà qui a barbé ton or. Le commandeur de la garde du temple, Caleb. Bisous. Oui. Hey Gold. Thermica. Votre or, vous allez avoir votre bonne nuit à toi. Aurais-tu l'amabilité de me dire ce que... Et au cas où, n'hésite pas à me follow, au cas où si t'as oublié. Les gens, des fois, c'est... Parce que moi, tu vois, souvent, moi, je dis pas aux gens « abonnez-vous, follow ». Et des fois, les gens, en fait, ils reviennent des fois quelques semaines après, ils disent « j'ai complètement oublié de te follow ». Je sais pas, oui, mais je vais pas te dire « vas-y, follow-moi ». Mais des fois, les gens, ils oublient. Alors c'est pour ça qu'à chaque fois je les remercie quand ils me follow, je leur dis tout de suite. Donc voilà. Si tu veux voir un mec passer 1h30 de stream sur le même level, au bon endroit, ouais, c'est ça Naïva. Alors Gérald, aurais-tu l'habilité de me dire ce que tu as appris? Je suis très curieux. Enkel a parlé. Le vieil homme va bien. Il a mis sa mort en scène pour échapper aux créanciers. Étrange. Je ne le savais pas endetté. Il l'était. Et Meng a promis de tout régler si on l'aidait à faire le coup. Gérald, comment le dire gentiment? Foutaise. Chercher à m'embobiner avec une femme sortie de ton fondement, c'est très mal me connaître. Je connais assez pour savoir que seul compte le résultat, d'où mon mensonge. Cela étant,
peut te mener jusqu'à ton mort. Pardonne-moi, Gérald, mais après ce coup d'éclat, autant croire une putain qui vous parle d'amour éternel. Croiriez-vous une magicienne qui a tout à gagner à ce que vous retrouviez votre magot ? Peut-être. Mais je préférerais la putain. Tu caches quelque chose. Et je déteste ça. Encore plus que Nilfgaard. Imagine un peu. Mais, Bast, il s'agit d'un accord, pas d'un mariage d'amour. Et puis ces mensonges doivent recéler une part de vérité. Il n'est pas assez finaux pour avoir tout inventé. Meng dépense des fortunes en ce moment. Bien qu'à ma connaissance, il n'ait jamais eu un sou vaillant en poche. Et maintenant ? D'après mes sources, Meng passe ses nuits au quartier général des chasseurs de sorcières, sur les quais. Tu pourrais peut-être lui rendre visite, lui demander où il a planqué mon or. Se charge du sale boulot pendant que tu restes les bras croisés. Monty, quand j'ai l'occasion d'utiliser autrui, je ne me prive jamais. C'est incommode. Oui. Et c'est moins dangereux. Avoue-le. Meng te fait peur. Bien sûr qu'il me fait peur, ce maniaque doublé d'un enfant de putain. Patrice aussi, je pense. Sans approuver le vocabulaire, je souscris à la teneur du message. Je doute que Meng avoue de bonne grâce. Moi aussi. Heureusement, j'ai engagé un gentil petit groupe qui en a vu d'autres pour régler cette affaire. Qu'est-ce que notre passé vient faire là-dedans ? Beaucoup. Les amants sont prêts à tout pour sauver l'être cher. Ce qui m'arrange grandement. Dans le cas présent, cela augmente vos chances de ressortir vivant du quartier général des chasseurs et avec mon magot. Chris et moi, c'est du passé. En d'autres termes, me servir de vous ? Jamais ! Je tire seulement le meilleur parti du lien qui vous unit. Sur ce, les tourtereaux, je file. Bonne chance. Je pensais que tu allais réagir. Dire que nous... Tu sais... Dijkstra n'a pas besoin de tout savoir sur mes amours. Bien vu. Je n'aurais pas davantage choisi son épaule pour pleurer. Mais on s'éloigne du sujet. On a un butin à récupérer. Et s'il faut que je te dise, Lord Dijkstra, c'est bien le cadet de mes soucis. Je m'en doutais. Il s'agit de Ciri, n'est-ce pas ? Oui. Meng retient Jaskier prisonnier quelque part. Et Jaskier a vu Ciri. Ça change tout. Mégajules est endormi. Ouais, je pense, ouais. Mégajules est endormi, ouais. Trouverons ensemble un moyen d'investir le quartier général des chasseurs de sorciers. Entendu. À bientôt. Et merci. De toute façon, je vais pas tarder, moi, les gars. Je vais pas tarder. Retrouver Minuit devant l'hôtel du Fountain près du quai. Ouais, je vais pas tarder parce que. J'ai deux vidéos à faire parce que demain soir il y a une vidéo normalement qui sort parce que demain on est jeudi et il faut que je fasse mon montage et parce que le plus souvent mes vidéos sont le mardi et le jeudi et là le problème c'est qu'il est 3h du mat et il faut que je le fasse, il me faut à peu près une heure pour faire le montage, une heure et demie, deux heures, tu vois, donc et après bah faut que je mette ça sur YouTube et ça dure assez longtemps, quoi. Donc c'est pour ça. Attends. Ouais, je vais peut-être m'arrêter là parce que ça fait quand même de finir que 9h. Ouais, toi il est. Ouais, j'ai bien de voir la liste. Il est que 9h. Ouais, nous en fait, nous il est 3h du matin, nous. La mec. Renneck, Nulin, il est 3h du matin. Voilà, c'est juste... là, en France, il est 3h du matin. Donc c'est pour ça. En plus, là j'ai streamé, tu vois, ça fait 4 heures que je suis en stream, là, tu vois. Ça fait 4 heures que je suis en stream, et sur 4 heures, j'ai eu... un follow. J'ai une photo, j'ai une personne qui m'a follow, tu vois. Québec. Ah, le Québec. Tabarnak.
Ouais, je pense que je vais m'arrêter là parce que ça commence à être long. Ou à moins, attends. J'espère que c'est pas trop long, tu vois. Faut pas que ce soit quelque chose de trop long. Triste à minuit. Bah attends, je vais faire mon truc de machin là. Hop. Méditation. Non, pas ça. Méditation. Voilà. Et faut que je fasse. Il sera quelle heure? Minuit. On va faire ça là. 23h. Non, on fait ça à minuit. Allez, hop, go minuit. Contente de te voir. Écoute, j'ai jeté un œil au bâtiment. C'est vraiment pas brillant. Tu veux dire qu'il aurait besoin d'un coup de pinceau? C'est une véritable forteresse. Hauts murs, gardes à l'entrée, hommes en armes partout. Impossible de se faufiler et entrer en force ne donnera rien. Meng aurait tout le temps de filer. Qu'est-ce que tu suggères? Prends ces menottes et passe-les-moi. Alors, attends, Triss, tu es sûr de toi ici maintenant? Tu peux m'expliquer? Tu peux me dire ce que tu as derrière la tête? Non, c'est pas trop long. Si tu leur livres l'infâme Triss Merigold, les chasseurs ne vont pas s'en ouvrir les portes. Faut pas que je tape, faut que je trouve déjà. C'est une quête secondaire, hein. Je suis pas en train de faire une quête principale. C'est pas une quête principale, là, c'est une quête secondaire. C'est ouf, quand même. Tu es vraiment décidé. Tu es vraiment décidé. Tu tiens vraiment à te jeter dans la gueule du loup, menotté de surcroît? Oui. Non, je m'y refuse. Ta sollicitude me touche, mais ma décision est prise. Je n'y reviendrai pas. Admettons qu'il morde à l'hameçon. Et ensuite, on débarque, je colle mon épée sous le nez de Meng, et il nous dit où est Jasquier. Rien n'est sûr. Meng est une ordure. Bien l'avouer, la mort ne l'effraie pas. Oui, c'est le côté ennuyeux des fanatiques. Bon, si je comprends bien, il nous faut une approche plus subtile. Tu as une idée? Tu pourrais lui dire que tu as des informations sur la loge. Mieux encore, sur Philippa, qu'il déteste entre toutes. Tu trouveras bien. Et pour le magot? Et pour le magot? Si on apprend quelque chose, tant mieux. Sinon... Je croyais que tu avais besoin de l'or de Dijkstra pour aider tes pères. C'est vrai. Mais l'or s'obtient par mille moyens. Là n'est pas le plus urgent. Attends, je voulais te remercier. Attends. Je tiens à te remercier. Allons. Tout le monde agirait de même. Non. Pas tout le monde. Assez. Rougir si est mal à une magicienne. Allons-y. J'ai un mauvais pressentiment, mais qu'importe. Allons-y. Let's go. Souviens-toi que je sais me défendre. Qu'est-ce que tu me chantes? Les chasseurs ne vont pas me traiter comme une dame. Mais je survivrai. Avec quelques bleus, certes. Ciri, c'est elle qui importe. Fais ce que tu as à faire, quoi qu'il advienne. Je ne te promets rien. Permets-moi d'insister. C'est ta box qui filme avec le rideau vert. Exactement. Non, c'est pas ma Xbox. C'est en fait je suis avec OBS. Je suis avec OBS en fait. Si tu connais un peu OBS, c'est ce qui me permet de streamer. Et c'est mon fond vert est juste là-bas. Qu'est-ce que tu veux? Juste ma récompense. Pourquoi? Pour une sorcière. Il est loin mon fond vert. Il est très loin. Je ne sais pas. C'est Triss Merigold. Merigold. Entrez. Entrez. Si tu veux regarder un peu ce que j'ai,
si tu veux savoir ce que j'ai en fait. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps. C'est mieux payé. Ce que j'ai eu en fait, ce que j'ai en fait. Ma dernière vidéo en fait, c'est l'endroit où je stream, tout ça, et tu vois mon fond vert et tout. Et c'est une des vidéos sur ma chaîne YouTube si tu veux la regarder. Sur ce, le lait si tôt sorti du pied de la vache. Fini de rire. Ok, Nightwear. Bonne nuit à toi. Bonne nuit à toi. Mettez-la au cachot. Bonne nuit à toi. A plus. A bientôt. Tchuss. Mettez-la au cachet. Je veux parler. Passez vite. Je la livre à Meng en personne. Ou je ne la livre pas du tout. Tu crois qu'on saurait pas quoi faire de cette sorcière? Lâche-moi fouiller. Quelle vilaine langue sortie d'une sujeuse. On va lui arracher ça. Alors, j'ai une proposition à faire. Vous êtes expert en sorcières, mais pour les attraper, c'est une autre affaire. Tu ne vas rien arracher du tout. Détendez-vous un peu. Vous pourriez glaner des infos intéressantes. Quel genre d'infos? La cachette de Philippa Elhart, par exemple. Tu paieras pour ça, sale. Ferme-la, la catarouquine. C'est le fils qui fait ça. Où est Elhart? Qui fait quoi? Tchuss. Au revoir. À demain. À la prochaine. Salut. je parlerai à votre chef. Point final. Ne lui parlez pas sur ce ton. J'ai pourtant été clair. Je ne parlerai qu'à Meng. Meng ne parle pas aux gens comme toi. Dans ce cas, dites-lui bien que je suis passé avec mon ami Marigold. D'accord. Attrape-la et suis-moi. Sans me lâcher d'une semelle. Merci, merci Ben. Voilà, c'est la vidéo de mon setup en fait, au cas où si vous voulez regarder à quoi ressemble mon setup en fait. C'est ici qu'on se quitte. Va voir Meng. Marigold sera à côté. Elle reste avec moi. Ici, on joue selon nos règles. Dire, tu sais quoi faire. Je ne dirai pas un traître mot, ni à toi, ni à lui. On joue les durs, hein? Patience. On va t'arracher quelques ongles, ça te rendra bavard. J'en ai ma claque, d'accord, mais pas de torture. Très bien, emmenez-la. J'en ai ma claque de tout ce cirque. Entendu, emmenez-la. Je serai plus tranquille pour discuter. Mais bas les pattes, ne la touchez pas. Pourquoi? Tu tiens à cette chienne? Non, je me moque bien d'elle. Mais si Meng ne me donne pas ce que je veux, j'irai la vendre ailleurs. N'allez pas abîmer la marchandise. Beau sens du commerce. Tu ferais un bon Macron. T'inquiète pas, Meng va te payer. Et la Marigold aura ce qu'elle mérite. Avec cette carte graphique Logitech, ouais, non, c'est ça. Hein? D'accord. Pourquoi je peux pas l'utiliser ça, bordel? Emmenez-la, ça suffit, emmenez-la. T'inquiète pas, moi je vais te payer et elle aura ce qu'elle mérite. Ah, je fais quoi? Je l'aide ou pas? Attendez-moi pour la torturer. Ah là là. Ah, je vais. Ça suffit. Moi je vais faire ça suffit. Bien. Cette mascarade a assez duré. Où veux-tu en venir? Admire et apprends. Waouh! Oui! Aïe, 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 aïe. Attends, j'ai pas pris le bon truc, c'est. Ça.
Wow. Ah merde, je suis mort. Si tu l'aides, tu vas te battre. Je voulais l'aider, mais je suis mort. Je me suis fait tuer. Tant pis, c'est pas grave. Faut bien que je meure des fois. Hein. Ah oui, d'accord. Je sais pas ce qu'ils faisaient. Si tu veux, ça suffit. Bon, faut attendre de charger là. Pam pam pam. C'est ça qui est chiant avec ce jeu, c'est que c'est très long les chargements, très long. Faut pas mourir. Très long, c'est très long. C'est trop long. Voilà, alors. Ah bah c'est bon, hop. Alors, attends, hop. Alors, on va prendre ça. Protection, allez, hop, 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 tac, 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 hop, 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 hop. Attends, j'ai pris... Attends, c'est bon. C'est ça que je connais. Attends, hein, excuse-moi, monsieur. Attends, je suis en train de faire n'importe quoi là. Oh la vache! Oh la vache! Oh la... Ok, d'accord, ça c'est bon, je suis mort. À ce qui paraît, un disque dur externe 720 sur ta Xbox est plus rapide que celle intégrée 700. Mais moi j'ai mon disque dur externe, ça va très bien. Alors, à ce qui concerne 700 000 tours par minute sur ta Xbox est plus rapide que celle intégrée. D'accord. Ouais. Attends. Putain, je galère trop pour mon montage de ma prochaine vidéo. La sauvegarde a bugué deux fois. D'accord, ouais. Ah voilà, faut que... Tu vois, j'essaye de finir ça, là. Faut que je finisse le... Faut que je tue les mecs. Et que je fasse mon montage de vidéo. Montage de vidéo. Et demain après-midi... demain après-midi, j'ai deux vidéos à faire. Sur les jeux qui sont gratuits sur PS4. Les jeux qui sont gratuits sur PS4 et sur Xbox One. Les jeux qui sont gratuits sur Xbox One. Et là, ça commence à... Je commence à être un peu... Je suis un petit peu à la bourre. Je joue tellement à The Witcher que...
moi, attends, au lieu de me donner de la vie, peut-être que je vais leur lancer du feu. Je vais peut-être les brûler en fait. Je vais leur lancer du feu en fait. Attends, je vais me barrer de là. Hop, on se barre. On se barre. Attends. On fait ça. Ça leur fait que dalle. Ouais, en fait, ça leur fait que dalle. T'es obligé de reprendre le jeu, comme ça, en fait. Ah bordel. Je suis bloqué. Ah la vache, bordel. Putain, y'a un mec qui tire un truc là. Allez, c'est bon. J'ai commencé à faire mal. Attention. Faut moitié mal aussi, putain. Il est mort, hein ? Il est où ? Ah, il est là. Allez, approche. Oh merde, putain ! Oh le bâtard ! Une bombe. Ouais, je voulais lancer la bombe, mais j'ai complètement raté. Il y a un des deux jeux sur One que ça fait 3 mois qu'il est gratuit. Ouais, il y a un jeu de. Je sais plus c'est quoi, c'est. Attends. Ouais, il y a un jeu de. De. C'est quoi déjà? C'est de. De billard. Il y a un jeu sur billard, je crois qu'il est gratuit. Ah, c'est sûr, quand t'es lancé dans le jeu, tu n'arrêtes plus. Ouais. Ah non, mais c'est clair. C'est clair. Putain, j'étais bien lancé là, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Faut que je me protège. Blablabla. Mais ouais, faut que je me prépare, tu vois, je vais me protéger. Parce qu'ils font vachement mal, hein, quand même, hein. Putain, ils ont foiré. Faut que je prenne mon bouclier. Et grenade. Je dois pas en avoir 50 de grenades, c'est ça le problème.
Attends, je me casse. Je vais par là-bas. Hop, je vais par là. Hop, je vais prendre ça. Voilà, protection. Et ça. Ah, attends, j'ai entendu quelqu'un qui s'est abonné. C'est Mander. Abonne-toi. Mander 62. Merci, Mander 62. Merci pour ton follow. Merci pour ton follow, Mander 62. Merci, merci. Ah la vache, oh le foiré, je me casse, vite, putain, j'ai pas eu le temps de manger, j'ai fait n'importe quoi, le problème c'est qu'ils sont beaucoup et le problème c'est qu'ils sont vachement équipés et je leur fais pas super mal, faut vraiment que j'aille tranquillou, en tout cas merci pour ton follow, la personne qui a sonné tout à l'heure. Ça n'a pas marqué sur... Non, ça n'a pas remarqué. En tout cas, merci. Je vais regarder vite le chat. Il doit être là, normalement. Ouais, Mander62. Merci, Mander62. Faudrait que je regarde un truc après. Bon, faut éviter que je meure. Putain, c'est trop chiant. En plus, c'est trop long pour recharger. C'est long. C'est super long. Allez, hop, on prend ça, tac, voilà ça, et on prend ça, tac, alors on va prendre ça, mais eux ils font super mal, c'est ouf, sérieux. Faut que je tue eux en fait. Ah, faut que j'en tue quelques-uns au moins. Voilà, j'ai réussi à en tuer un. Alors attends, je vais réutiliser ça. Voilà. Ça m'en fait deux là qui viennent. Ouais, il faut que j'arrive à les tuer.
Dégage toi, dégage putain. Ah, il y en a un là aussi. Oh bordel, il y en a plein là. Qu'est-ce que tu fais toi tout seul là? Pourquoi il y en a un qui est là? What the fuck? Mais ils sont chauds à battre. Je vais en tuer un bientôt là. Wow, on se casse. Attends. Ah, l'autre il est mort. Il y en a un qui est mort. Boum! Ça c'est fait, il y en a un qui est mort. Allez, viens là toi. Allez, approche. Voilà, le mec il est coupé en deux quoi. Voilà. Qui c'est qui vient encore là? Qui c'est qui va venir là? Il y en a plein là. Il y en a... Les gars, vous pouvez venir. Hein. Allez, venez. Venez. Alors, salut, Mander. Au pire, si tu veux encore, tu peux prendre une super sauvegarde. Ouais, je sais, ouais. Mais moi, je suis vachement plus, tu sais, même si j'y arrive pas, je veux y arriver, tu vois. Même si c'est dur, je veux y arriver. Tout le monde est mort, il en reste deux en bas. Ok, il en reste deux. Salut les gars, bien ou quoi? La forme? Voilà, toi c'est fait.
Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Vous allez bien, monsieur? Bien? La forme? Impeccable? Voilà, t'es mort. Voilà, il reste qui encore? Ah putain, il y en a encore combien comme ça? Oh putain. En fait, on attaque toute la base là, en fait, si c'est ça, si je viens de comprendre. On attaque toute la base. C'est bon, il n'y a plus personne, c'est bon. Voilà, alors, on va prendre sur lui. Voilà, on va prendre plein de trucs sur lui. Voilà, ça c'est fait. Ok. Voilà. Ah, c'était trop simple. Sérieux. C'était trop simple en fait. Ah, j'ai vu un truc. Attends, j'ai vu un truc. C'est quoi que je viens de récupérer là? Je viens de récupérer un truc dans mon sac. Qu'est-ce que j'ai récupéré? Ça, c'est quoi ça? C'est menottes, reliques. Oh putain, ça coûte cher. Eh, faut que je les vende. Y a pas un truc plutôt... Attends, si je peux le vendre, ça serait plutôt pas mal. Tu vois, je vais plutôt jeter ça. Ah, ça coûte cher. Si c'est lâcher, je vais lâcher ça. Ça, je vais lâcher. Ça, les flèches, je vais lâcher aussi. Lâcher. Oui, tout. Voilà. Dégâts. Ah, pas mal ça. Épée d'acier, épée d'argent. J'ai pas d'épée d'argent en fait. Épée d'acier. Tu dois tuer. Il aurait eu le temps de faire beaucoup de kilomètres s'il était parti tout de suite. C'est clair. Alors attends, je suis en train de... C'est quoi ça? C'est 3 chances de renvoyer les dégâts. Ah, c'est bien ça. Ah, y'a rien, ok. Ok, alors ça. Voilà, ça j'enlève. H. On va dire que j'ai tué tout le monde. Allez, on va vite fait là où on doit aller. Hop. Bonjour les gars. Je vais sauvegarder. Ah, je peux peut-être pas sauvegarder. Si, je peux sauvegarder. J'ai vu qu'il y avait un mec là, je crois. Bonjour monsieur. Salut, tu vas bien? La forme? Voilà. Regarde, je suis protégé. Aïe. Tu vas crever, tu vas crever. Et voilà, t'es mort. Is dead. Tu es mort. Tu es mort. Je t'ai tué. Ouais. T'es mort. Épée de Dorne. Vas-y, fais péter
l'épée. Et tuer les chasseurs des sorcières. Encore ? Putain. Attends, je vais sauvegarder vu que j'ai tué le mec là. J'ai tué tout le monde. Attends, je vais regarder ce qu'il y a là-dedans. Bateau brisé. Et que rien d'autre. Et dedans, il y a quoi? Non. Non, ok. Bon, bah, on va buter des trucs. Hein. Ça. Oula! Ça passe quoi là? Ah ouais. Salut les gars. Ah oui, c'est. Bonjour, vous allez bien? Finissons-en. Oh la tête, j'ai défoncé la tête direct. Oh lui il va crever, boum. Voilà. Ça c'est fait. C'est con, je vais peut-être pas pouvoir monter. Ah ça, je peux pas, je peux prendre ça. Allez où elle? Elle est montée? Elle est montée là-haut? Elle est montée là-haut. Regarde ton épée, ouais, elle est abîmée là, mon épée actuellement. C'était les derniers. On a eu chaud. Il faut l'avouer, la ruse n'est pas ton point fort. Effectivement. Je préfère les approches plus directes. Oui. Taper d'abord, poser les questions ensuite. Fouillons le bureau. On y trouvera peut-être des documents à propos de Jaski. Je vais le fouiller. Toi, inspecte la pièce. À ta place, je commencerai par le bureau. Alors. Lisez la lettre sur le bureau. Faut que je lise la lettre. Faut que je lise la lettre. Faut que je lise la lettre. Alors, attends. Alors la lettre, ça va être ça. Quelle est votre instruction concernant l'organisation de la prochaine exécution? Quand vous serez prêt à me rencontrer, placez votre tome sacré dans la boîte de dépôt située dans la colonne l'hôtel Feu l'Éternel au sud-ouest du Lassis. Nous nous retrouverons à l'endroit habituel. Ne dites à personne où vous allez seul brûler cette lettre après l'avoir lue. Tu as trouvé quelque chose? Comme la clé de son bureau dans ses poches. Rien sous sa ceinture. Une seconde. Je sens quelque chose dans la doublure. Qu'est-ce que c'est? Une clé de coffre. Tiens, donne-la à Dijkstra avec mes compliments. Une lettre écrite par un espion. J'ai trouvé une lettre adressée à Meng. De quelqu'un d'important. Un genre d'espion. Un espion? Lila. Boîte aux lettres mortes, signaux secrets. Ouais, ça pue l'espionnage. Cet agent en saura peut-être plus sur Jaski. Ça ne m'étonnerait guère. Les lettres détaillent différents signaux pour organiser une entrevue. Sans oublier le lieu de rendez-vous. Je trouve les lags entre les inventaires très nuls. Ouais, bah ouais. Tu exagères. Parfois j'ai des doutes.
Une lettre, ben, je doute que c'est suffisant. La clé d'un coffre? Pas d'adresse? Pourquoi je doute que Dijkstra sera satisfait? Ça nous évitera peut-être au moins de nous faire briser les jambes par ses sbires, pour avoir failli à notre part du marché. Tu vois, le verre est à moitié plein. D'un truc fort, j'espère. Filons d'ici. Bon, plus rien ne nous retient ici. Filons. Avec plaisir. Mais évitons la porte principale. D'accord. Trouver une issue à l'avant-poste des chasseurs. Ça, là. Ok. C'est ici que nos routes se séparent. Mais d'abord, incendions le bâtiment. Entendu. Ça devrait couvrir nos traces. Très juste. Et j'ai surtout besoin de me défouler. Écoute, je voulais te parler de quelque chose. Mais pas ici, là maintenant. Tu peux passer me voir quand tu auras un moment. Bon, mais en attendant, il faut qu'on sorte d'ici. Ok. Quel qui crame des trucs là ou bien? Attends, comment je pars de là? Copine, comment je m'en vais de là moi? Par là? Je veux en aller. Je veux partir. Au revoir. Je m'en vais. Voilà. Racontez à Disque ce que vous avez dit. Je suis sûr que ça je peux le casser. Je suis sûr il y a un truc. Attends. Est-ce que ça je peux le casser? Attends. Waouh! Ah ouais, je peux le casser, trop bien. Vas-y, je peux passer mon. Vas-y. Oh, j'ai découvert un. LOL. Monsieur Roven veut te voir. Le vieux bouc impatient. Quoi? Rien. J'irai bientôt. Mais qui voilà? Serait-ce Geralt de Rive? Vas-tu cesser de me suivre? Bientôt. Dès que je saurai où est mon or. Meng et moi, on a eu... J'ai oublié. J'avoue, ça abîme mes épées. Je suis désolé. Prêt. Voilà qui explique la fumée. Mon magot n'est pas là-dedans, j'espère. À rôtir avec les chasseurs de sorcières. Je n'en ai pas vu trace. Et 20 tonnes d'or ne passent pas inaperçues. Voudrais-tu me faire croire que tu rentres les mains vides? Premièrement, j'étais là, c'est j'ai toi mon Twitch. Deuxièmement, j'ai quelque chose en main. Une clé de coffre. Salut à tous. Salut Corsica. 2801. Salut à toi. Localisé. Tu ne me facilites bienvenue pas dans, choses. Bienvenue dans mon stream. Donne toujours. Alors, un coffre et ma récompense, c'est tout? Pas de fin de mot? Et ma récompense? Sans façon. Ma prime, d'abord. Gérald. Tous les sorceleurs ont-ils autant de culot? Comment ça? Tu m'as menti. Encore. Quoi? Tu savais depuis le début qui m'avait volé. Mais tu n'as pas daigné m'en informer. Cesse de geindre, tu vas revoir ton or, non? Comment l'as-tu su? Non, en effet. Mais j'ai daigné t'aider à le récupérer. Alors cesse de geindre. Je ne plaisante pas, Geralt. Tu m'as abusé. J'y survivrai. Cette fois, oui. Tu y survivras. Et maintenant, réglons nos comptes. C'est une menace? Bien au contraire. Tu m'as aidé, sorceleur. Et bon gré mal gré, tu as mérité ta récompense. J'en déduis que tu ignores toujours ce qui est arrivé à Jaskier. Effectivement. Et j'ai peut-être trouvé quelqu'un qui le saura. Un espion, je suppose. Yamur Lak, sa signature. J'ai trouvé une de ses lettres. L'ennui, c'est qu'elle décrit simplement les détails d'un rendez-vous avec lui.
ne mentionne aucune. 28, le jour 01. Utilise le signal et il se montrera le soir même, un peu avant. Hein? J'ai pas compris. J'ai pas trop compris en fait. Attends, 28, le jour 01, le mois de janvier. Le jour 28, attends, qu'est-ce qu'il y a avec ça? 28, en fait, c'est quoi que tu me demandes en fait? J'ai pas compris. 28, le jour 01, le mois de janvier. Pas compris. J'ai beau relire, j'ai pas compris. Remnek Marin, il a pas compris non plus. Ok, d'accord, je me sentais tout seul à pas comprendre en fait. J'ai eu la même réaction quand j'ai lu. C'est pas. Ah, d'accord, c'est pas. D'accord, ok. D'accord, ok, 28-01, c'est au mois de janvier, c'est le 28 et 01 du mois de janvier, d'accord, ok, je croyais que tu t'appelais Corsica 2801, je croyais que tu t'appelais comme ça, c'est pour ça. Oh, excuse-moi, il est presque 4h du matin, un peu du mal là, tu vois, là, hein, d'accord. Attends, c'était quoi déjà la question là? Une maison, un ruine, faubourg, utilise le signal, il te montrera ce soir, un peu avant minuit. Merci, je t'en aide. Comment tu sais ça? Comment sais-tu ça? Je devrais sûrement garder mes questions pour moi, mais comment sais-tu ça? D'accord, Corsica. J'interprète le vol des oiseaux. Tes sarcasmes sont lassants, tu sais. C'est de loin le moindre de mes défauts, crois-moi. Dernière remarque. N'essaie plus de m'embobiner. Jamais. D'accord. Utilisez vos sens pour trouver la boîte de dépôt. Placez-y le tome sacré indiqué. Ok. Souhaitez rencontrer. Bon. C'est avant minuit. Bon, attends, je vais aller déjà à l'endroit. Et après, les gars, franchement, je vais aller me. Bah, je vais même pas me coucher. Faut que je fasse mes vidéos pour ma chaîne YouTube. Donc. Je vais devoir me coucher vers 6h du mat, donc voilà, hein, je vais devoir arrêter le stream. Normalement, la rediff du stream, là, je vais la remettre aussi sur ma chaîne YouTube, normalement. Normalement. On va bien voir. Alors... Tu reviens jouer à Witcher Core. Je reviens jouer demain soir. Normalement. Avant minuit, il faut que je fasse un truc là avant minuit, non? Attends. Parler, non? Je peux pas parler. Avant minuit. Placez-y. Sauter, rentrer. Ah ouais, utilisation. Ok, d'accord. Ah, c'est ça. C'est sûrement la boîte aux lettres mortes. Le signal est lancé. L'espion devrait se montrer au faubourg ouais, avant. On va passer sur YouTube, lol. Gros kikou. Ouais, c'est clair. Allez, bye tout le monde. À la prochaine, Corsica. Et merci d'être venu. Je sais pas si tu t'es abonné sur ma chaîne, mais en tout cas, merci d'être venu. Et puis, bah, peut-être à la prochaine. Je sais plus si t'es abonné. J'ai eu très peu de personnes qui sont abonnées ce soir sur ma chaîne. Donc voilà, je sais pas si t'es abonné. En tout cas, voilà. Alors attends, faut que j'aille soyez au point de rendez-vous juste avant minuit, d'accord. Voilà.
Aoki, je travaille malheureusement, ça va aller à dimanche si tu streams juste le soir. Ouais, je stream le soir. Donc voilà. À partir de 22h, 23h à peu près. La journée en fait, je m'occupe de mes vidéos. La journée, je m'occupe de mes vidéos de ma chaîne YouTube et puis en fait, le soir, je m'occupe de mes streams en fait. Donc, c'est plus tranquille. Je vais peut-être sauvegarder parce que quand même, attends, je sauvegardais la zone, sauvegarder, on sait jamais. Voilà. Se planquer et attendre. Faut que je me plante, je vais me mettre là au pire. Même un aveugle me repérerait à cette voie. D'accord. Attends, il y a quoi? Ah, il y a un truc là, c'est quoi ça? Derrière la porte. Oh, vas-y. Ouais. La cachette idéale. Voilà. Classé. Et à minuit. Ok, bon, bah on va faire derrière la porte à minuit et on va faire avant minuit. Hop. Avant minuit, on va mettre là. Voilà. Soyez au point de rendez-vous juste avant minuit. Ouais, ouais, non, c'est bon, je suis avant minuit. D'accord, faut que j'attende de me faire cacher, ok. Bon bah, je vais attendre. Je vais attendre, hein, c'est avant minuit. C'est long et ça fonctionne si tu le mets à minuit. Ah, d'accord. Attends. Voilà. Minuit, c'est bon? Voilà, impeccable. Merci. Merci. Seul l'unique. Je n'ai pas pu résister. Je meurs d'envie de connaître le fin mot de l'histoire. L'endroit rêvé pour un rendez-vous galant. Plafond effondré, mur couvert de salpêtre, chieurs de souris dans les coins. Un vrai petit nid d'amour. Chut, il arrive. Cache-toi. Indisposé. Très indisposé. J'ignore qui vous êtes, mais vous êtes dans le Turin, jusqu'au naseau. Et vous davantage, croyez-le. Répondez à nos questions et on vous en sortira. Je n'ai qu'une seule réponse. Allez vous faire pauvre. Allez vous faire foutre. Ne jouez pas les trop. Ne jouez pas les trop durs, ça n'en vaut pas la peine. Drôle de manière envers une dame. C'est un bien vilain langage envers une dame. Vous appelez ça une dame? Je crois qu'une sorcière. Les sorcières sont encore plus susceptibles. Ça doit piquer, ça. Vous suffit? Il est. Foutre, non. Je tiens le coup. Évidemment. Mais ce n'était qu'un début.
Vous devez songer qu'il n'est pas possible d'avoir plus mal. Et pourtant si. Assez ! Assez ! Alors, on se met à table ? Oui ! Oui ! Posez vos foutues questions ! Alors... Le magot de Sigiroven, où Meng l'a-t-il planqué ? Je n'en ai aucune idée. Vous comprenez qu'il suffit d'un mot pour que la douleur revienne ? Oui. Je persiste à affirmer que je ne sais rien. Qu'en dites-vous ? Je pense qu'il dit la vérité. Il semblerait. Simple curiosité. Pour qui travaillez-vous ? Pas question de vous l'avouer. Et bien sûr. Radovid. Je travaille pour Radovid. Ok. Quels sont les plans de Radovid ? Radovid. Qu'a-t-il à gagner en aidant Meng ? Cherche à nettoyer le terrain avant son arrivée. Logique. Une ville sans mage est facile à prendre. Le fait. Il paiera ça. Ok. Nous cherchons Jaskier. Nous savons que Meng l'a capturé. C'est... Tout ça pour ça ? Un foutu ménestrel ! Fallait le dire d'emblée, avant que vous voyiez la cervelle de votre sale magie. Incroyable. Tout ça pour un saltimbanque. Vous voulez des excuses ? Non. Mais j'ai le droit de me montrer surpris, non ? Jaskier est sur l'île du temple, dans les geôles situées sous le temple. Meng prévoit de le faire exécuter à Oxenfurt. Bonjour, j'ai rejoint un grand spectacle. Je crains que les festivités ne doivent être annulées. Merci Miam, merci à toi. Ceux qui quittent l'île du temple le font sur ordre de Meng. Sur ordre direct. Bon sang. On trouvera un moyen. J'ai une idée, je te raconte. C'est bon, ça suffit. Nous en savons assez. Content de l'apprendre. Puis-je en déduire que nous pouvons glisser sur ce fâcheux incident ? Pas si vite, Gérald. Je sais. Il en a trop vu. Yapello, et merci pourquoi à toi. Je vous ai dit. Bah de rien. Bah après, là, il commençait un petit peu tard. Il commençait un petit peu tard. Hein. J'ai comme. Attends, tout le long, Voilà. Voilà, je fais ça. Mais je vous ai aidé. Je vous ai. Ce n'est pas si terrible. Promis. Isley. Angef. Voilà, il a retiré sa mémoire. Donc, ouais, en fait, je disais, j'ai commencé mon stream il y a 5 heures, donc j'ai commencé il y a 5 heures mon stream, donc là tu vois je commence à être un petit peu fatigué, hein. Voilà, donc là j'ai fini cette mission là et puis après je vais, merci Liam pour ton follow, donc ouais après je vais m'occuper de ma chaîne YouTube parce que j'ai quelques vidéos à faire sur ma chaîne YouTube, donc voilà, tu es sorti les griffes aujourd'hui, tu es sorti. Triste, comment te sens-tu ? Tu es sorti ? Vas-y. Comment te sens-tu ? Indigne. Vil. Cruel. Je pourrais continuer, mais il faut que je sorte d'ici, et vite. Je vais rentrer, prendre un bain, et me saouler à mort. Tu as parlé d'une idée sur la façon libérée. Je te raconte. Tu as parlé d'une idée pour faire libérer Jaskier. Oui. Nous savons qu'il est sur l'île. Et qu'il y restera jusqu'à ce que Meng ordonne son transfert à Oxenfurt. D'accord ? Le seul problème, c'est que Meng est mort. Nous sommes. Bah, merci, Miam. Merci. Il a pu échapper aux flammes. Il peut refaire surface. Lui. Après, c'est. Qualité, c'est. Ton vieil ami. Qualité, c'est vite dit, hein, parce que j'ai, comment dire, j'ai pas non plus la fibre, hein. J'ai juste la DSL, j'ai 0,85 d'upload,
Et donc, voilà, c'est pas non plus la fibre ou super qualité HD, quoi. Écoute, je voulais te parler de quelque chose. Mais pas ici, pas maintenant. Tu peux passer me voir quand tu auras un moment. Bon, mais en attendant, il faut qu'on sorte d'ici. Ok. Parler à Priscilla. Bon bah je vais sauvegarder. Ah oui, moi j'ai l'impression de pas avoir assez. Bah après, moi comme je stream sur Xbox One, PS4 et Wii U, j'utilise un. Comment dire? Avec OBS, j'utilise une. Comment on appelle ça déjà? Une ligne de commande qui utilise vachement le processeur. Moi j'ai un i5 et en fait ça aide à retirer tout ce qui est pixel en fait, tu vois. Donc on n'a pas l'impression qu'il n'y a pas de pixel et parce que j'ai un ami qui s'appelle Capette Levray et donc c'est lui qui a donné la qualité de mes streams en fait. Parce que si je faisais que à ma manière, la qualité du stream, ça serait vraiment quelque chose de flou, tu vois, ça serait pas super beau. Ça rend bien en tout cas, tu es en 480 ou en 720. Alors, à une époque j'étais en 720, mais le problème c'est que j'ai eu une nouvelle ligne de commande et mon processeur avait du mal à accepter. Il demandait vraiment beaucoup et donc en fait là je suis à 480 en fait. C'est une qualité, je suis en qualité 480, mais mon Elgato, voilà, tu peux voir, c'est mon Elgato, ce qui me permet de streamer. Par contre, il est en 1080. Voilà. Mon image que je vous envoie, c'est du 1080, mais la qualité d'OBS, c'est du 480. Alors, j'ai sauvegardé, je sais même plus. Je vais sauvegarder. Mais oui, je crois que j'ai sauvegardé. Avec Avermedia ou Elgato, ça améliore nettement. Non, pas du tout. En fait, c'est complètement. Attends. Voilà, je coupe le son. En fait, il n'y a aucune différence entre Elgato ou Avermedia. Moi, le dernier que j'ai là, celui-là, le Elgato, je l'ai eu hier. Parce que l'origine, en fait, j'ai l'ancien Elgato qui fait 30 images par seconde et celui-là, il fait 60. Il fait 60 images par seconde. Et en fait, c'était pour les nouvelles consoles, tu vois, la PS4 et la Xbox One. Et niveau qualité, entre l'Avermedia et le Elgato, c'est exactement pareil. Ce qui améliore les streams, c'est la ligne de commande. Ça veut dire que tu crées un texte pour retirer tout ce qui est pixel, tout ça. Et ce qui améliore aussi, c'est ta connexion. Si tu as plus de, comme tu dis, 0,85 d'upload, si la personne avait au moins, je sais pas moi, 5 d'upload, bah la personne elle peut te donner peut te faire du 720 ou 1080, quoi, et tranquille. Alors, mais si je stream directement les jeux depuis le PC, ça sert à quelque chose vraiment? Non, si tu stream directement via un PC, ton Overmedia ou Elgato ne sert à rien du tout. Voilà, ça sert à rien du tout. Quand tu es une fois sur PC, il faut que tu aies vachement de connexion. Le fait d'avoir beaucoup de connexion, là, ça aide sur ton stream. Parce que moi, le problème, c'est que si je stream sur PC, la ligne de commande que j'utilise, mon processeur, il va me péter un câble. Parce que voilà pas comment je l'utilise, hein, pour streamer. Mon processeur, j'ai un i5, je peux te dire que j'utilise vachement. Et donc, voilà. Streamer comme tu fais si la Xbox le fait. Alors je t'explique pourquoi je le fais pas sur Xbox One.
parce que c'est moi qui règle quand je stream avec OBS, c'est moi qui décide faire le réglage. C'est-à-dire que si je veux personnaliser mes streams, si je veux mettre un truc pour améliorer mes pixels, tout ça, et ben si je stream sur Xbox One, et ben ça va faire pixel, ça va pixeliser, et là le micro là, vous l'aurez pas. Parce qu'ils vont me demander directement, ils me demandent directement le micro de Xbox en fait. C'est un truc tout pourri, voilà, t'as un casque et tu parles avec les gens dans ton live. Et moi le micro que j'ai là, c'est un micro professionnel. Ma caméra, c'est quelque chose de, c'est un truc de professionnel, c'est la Logitech 920. Derrière mon fond vert, si je faisais sur Xbox, on pourrait pas voir mon fond vert. Et donc voilà, moi je préfère quelque chose de personnalisé et qui peut aider quoi. C'est un peu compliqué de console à PC. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais bon, moi ça me dérange pas spécialement, tu sais, moi. Tu sais, j'ai 31 ans, donc voilà quoi. Je préfère jouer sur console que sur PC. J'ai joué pendant 9 ans sur PC, sur un jeu, c'était un MMO, sur World of Warcraft pendant 9 ans. Et j'ai arrêté et maintenant je suis retourné sur console et bah, ça fait vraiment plaisir de retourner sur console. Acheter un bon PC. Ouais, mais le problème c'est que moi je suis papa. Je suis papa de deux filles et je préfère payer des choses à mes enfants que m'acheter un PC quoi. Qui coûte cher. Je préfère acheter de temps en temps une petite console ou tu vois un petit micro comme ça sur de l'argent que j'ai un petit peu économisé, tu vois. Mais acheter un PC qui coûte 1200, 1300 euros, voilà quoi. Et moi, le truc c'est que quand je stream l'après-midi, il est possible que je joue avec ma fille en fait. Ma fille elle stream avec moi. En fait, elle se met à côté de moi et on joue à Mario Kart sur Wii U. Et si tu peux regarder des rediffusions sur ma chaîne, des fois ma fille, on joue ensemble à Mario Bros, à Mario World 3D et voilà. Et si tu regardes mes rediffs, tu peux regarder, je sais plus laquelle, ça va être la rediff. De toute façon, c'est marqué le titre, hein, c'est marqué Mario 3D World et tu verras, je suis en stream avec ma fille. je suis en stream avec ma fille. Ok. Un PC, tu payes 2000 et t'as deux fois la qualité de la boîte qui coûte 300 très souvent en rabais. Mais moi personnellement, je te jure, moi je suis plus console. Quand j'étais jeune, j'étais PC. Voilà, PC, j'étais content, c'était quelque chose de... T'es tout seul, t'es dans ton truc, t'es avec la souris et tout. J'aimais bien, perso, j'aimais bien quand de 21 ans... De 21 ans 20 ans, on va dire. 20 ans jusqu'à 30 ans. J'aimais bien PC. Je suis retourné sur console. Depuis un an, je stream sur console. J'étais pas que sur Twitch, j'étais sur Gamer Connection. Et franchement, je m'éclate beaucoup plus sur console. C'est... De toute façon, moi, j'ai commencé la console à 5 ans. Donc voilà, je suis né avec console. C'est la NES, la Mega Drive, puis les vieilles consoles, quoi. Ouais, bah oui. Non mais c'est clair, mais il y a des gens ils préfèrent le PC, voilà. Mais moi je préfère console, tu vois. Parce que moi je suis plus quand il y a des gens qui viennent chez moi, et ben voilà, les gens ils jouent avec moi. On prend une manette, voilà. J'ai 4 manettes, j'ai 2 manettes Xbox, je peux avoir 2 manettes PS4, j'ai 2 manettes Wii U, et comme ça il y a des gens qui viennent chez moi, ils jouent avec moi, et comme ça je les laisse pas tout seuls, comme ça on passe des soirées ensemble, et puis voilà. Moi, je trouve que c'est plus convivial, les consoles. Xbox Team. Ouais, c'est clair. Ok. Je vais sauvegarder. Je sais plus si je vais sauvegarder, bordel. Ouais, je vais arrêter les 4 heures, là. Je vais devoir arrêter, les gars. Je suis vraiment désolé. On est 7 dans le stream.
Je suis vraiment désolé, là je commence à être un petit peu fatigué. Donc voilà, je vais stopper mon stream. Ça m'a fait vraiment plaisir de voir de nouvelles personnes qui sont là. Ça fait vraiment plaisir. On va sans doute se revoir demain. Donc au cas où s'il y a des jeux qui vous intéressent, des jeux récents ou quoi que ce soit que vous connaissez pas, au cas où, vous pouvez aller voir ma chaîne YouTube qui est juste en bas. Hein, elle est juste en bas, ma chaîne YouTube. Et en fait, s'il y a des jeux que vous connaissez pas ou des jeux qui sont que sur console et qui sont pas sur PC ou qui sont sur Xbox One ou que sur PS4, parce que la plupart du temps, comme j'ai les deux consoles, je fais des vidéos sur les jeux exclus. Et donc, n'hésitez pas à aller voir au cas où, voilà, si vous voulez voir des jeux récents et donc voilà. Donc sur ce les gars. Alors moi, ce qui est vachement bien, vous voyez, avec ma tablette, ça s'appelle Adobe, je peux éteindre mon Adobe alors que mon PC est tout là-bas. Il est loin, hein. Il est très loin mon PC, il est très très loin. À partir de là, vous pouvez regarder. Montre vite fait, je vous montre, hein, ok, je vous montre. Là je vais retirer ma webcam. Hop, voyez, j'ai retiré ma webcam, je la remets, tac. Salut les gars, vous allez bien? Et donc voilà, donc c'est ça qui est plutôt pas mal, c'est que même si je suis sur console, je bouge pas beaucoup, voilà. Est-ce que tu connais Agar? Agar? Rio? Agar? 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 Vous direz Agar? C'est pas? Agar? Ça ne me dit rien du tout, Agar. Agar Rio? Oh ouais, c'est pour ça, je prends ma tablette. Je prends ma tablette et juste à côté, j'ai mon PC. Si vous voulez savoir mon setup, sur ma chaîne YouTube, j'ai mis il y a 2 jours ma vidéo de mon setup. Mon setup 2015. J'ai fait ma vidéo, je crois que c'est la semaine dernière. Et donc, vous pouvez voir comment se passe ma façon de streamer, en fait. Donc voilà. Donc, voilà, je vais couper. Voilà, c'est marqué sur mon stream. Ça fait 5 heures. J'ai streamé pendant 5h30, là. Voilà, Ben, ça doit être la vidéo... Ça doit être la vidéo de setup. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez des infos sur des choses pour streamer, des objets, des micros, des caméras et quoi que ce soit. T'as une voix calme aussi, j'aime bien, pas comme Zerator qui crie tout le temps. En ce moment, en fait, j'ai un peu la voix cassée, donc c'est peut-être pour ça que j'ai une voix très calme. Mais non, la plupart du temps, oui, j'ai une voix assez calme à l'origine. J'ai une voix assez calme. Puis j'ai 31 ans. Hein. J'ai 31 ans, donc je suis pas quelqu'un qui gueule, quoi, tu vois. Mais par contre, il peut arriver que si je joue un jeu, je sais pas moi, Battlefield ou un truc comme ça, je vais dire putain, enfoiré, tu m'as tué ou un truc comme ça, tu vois. Je vais pas l'insulter, mais je vais dire merde, bordel. Tu vois. Des petits trucs comme ça, quoi, tu vois. Mais sur ce voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié ce petit stream. En tout cas, moi ça me fait plaisir. J'espère vous revoir vite. Enfin, si je stream demain soir, normalement je stream demain soir. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis à très bientôt. Puis passez une bonne soirée ou une bonne matinée. Et je vous dis à la prochaine. Et passez une bonne matinée. Allez, tchuss.